Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Comment tu vas? Bien. Et toi? Oui, ça va. Et vous? Vous allez bien? Nous, on va bien. Globalement, ça va. On va bien, ouais, ça va. À part qu'il fait froid. Bon, là, c'est un peu... Ouais, aujourd'hui, c'est un peu plus doux quand même. C'est pas l'été. On a quand même un peu de soleil. Un tout petit peu. On a eu un tout petit peu comme ça. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça fait jour pour jour, ça fait un an que Pascal... Pas jour pour jour. À peu près. Ça fait à peu près un an que je suis dans ma roulotte. Dans le camping-car. Voilà. Et puis, bah, je voulais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qui te réjouit? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît? Quels sont les avantages, les inconvénients de cette aventure? Par négatif, alors, comme ça on finit sur positif. Le négatif, c'est le courant. Le courant, je pense que c'est le point le plus négatif. Aujourd'hui, même si j'ai du courant, bon, jusqu'à présent, je ne suis pas vraiment tombé en panne de courant, hein, mais malgré tout, j'adopte une façon de faire qui n'est pas forcément confortable, parce que je n'allume pas tout, je fais attention à la lumière, je coupe le courant avant de partir, enfin, c'est un peu... Traumatisme. Bah, même pas, c'est pas un traumatisme, c'est une habitude, en fait, qu'on est obligé de prendre. Et c'est vrai que le soir, bah, j'aimerais avoir un peu plus de lumière, par exemple, mais... je pense que je pourrais me le permettre, mais je me restreins. Mais c'est vrai que je le sens souvent angoissé. Bah, quand on vient ici, quand je viens chez toi, t'es quand même angoissé. On est toujours dans pénombre. On voit que c'est quelque chose. C'est un problème. C'est un problème. C'est vrai que si je pouvais avoir la lumière à gogo, je pourrais gaspiller comme avant. Et ça me ferait plaisir. Mais là, bon, on est obligé de... Alors, bon, l'été, ça va être différent, on n'aura pas besoin de lumière. Mais donc ça, c'est bien, parce que peut-être bientôt, on sera obligé de vivre sans électricité. Toi, tu seras déjà prêt. Non, parce que regarde, aujourd'hui, tu produis ton électricité. Là, aujourd'hui, je produis mon électricité, en fait. Hein. Je me branche quasiment jamais. Hein. Ouais. Très peu. Bon, ça, c'est un gros point noir. Je dirais que c'est le point noir principal. Alors, j'ai pas de soucis par rapport à ça, puisque ça charge. Et puis, bon, globalement, je suis jamais tombé en panne de courant, mais je suis obligé d'adopter quelquefois, je culpabilise d'allumer la télé, par exemple. Venez, hein, ça va consommer. Donc, peut-être je regarde les vidéos sur mon téléphone plutôt que de regarder la télé. Mais bon, sinon c'est le seul problème pour le courant. Alors, non, c'est pas le seul problème. Bon, ça, c'est le courant, c'est un problème. Après... Les stationnements. Est-ce que par rapport au stationnement, qu'est-ce que... Ça, j'ai pas de soucis, en fait. J'ai pas de soucis parce que je réalise qu'on stationne à peu près partout. Ici, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai jamais rencontré un seul souci par rapport au stationnement. Donc ça, c'est pas un problème. Je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais un troisième ou un quatrième lieu autour d'Annemasse ou tout près, très proche d'Annemasse pour pouvoir stationner et pour changer un peu plus, ça m'irait bien. Mais bon, là, ça va. Je varie, en fait. Je vais un peu là, un peu là, un peu là. Ça va très bien. Et l'effet d'être obligé de jongler pas seulement avec l'électricité, mais aussi avec l'eau, il faut que tout... Est-ce que... Alors l'eau, maintenant, j'ai eu des solutions par les abonnés, justement, où il y a quelqu'un... alors c'est dommage, j'ai plus son nom en tête parce que je ne l'ai pas devant les yeux. On reçoit tellement de messages. Mais j'ai quelqu'un de très averti, qui a l'air bien au courant, qui m'a donné un tuyau, en fait. Il m'a parlé des bornes flot bleues. Alors tout le monde connaît les bornes flot bleues, mais je ne savais pas où elles étaient. Et bon... Je me suis même pas, j'ai pas eu cette idée. Et finalement, je vais à Cluse, je paye 3 euros et je peux avoir l'eau parce que l'eau elle est chauffée. Alors elle est pas chaude, hein, mais elle est chauffée pour pas qu'elle gèle. J'ai l'eau, je fais mes vidanges pour 3 euros et c'est pas limité en fait. Hein. On a 20 minutes. Est-ce que c'est quand même pas contraignant parce que quand tu es dans un appartement ou dans une maison, bah, tu t'occupes pas de tout ça. Et là, c'est un jonglage hein, tout le temps. Au niveau de l'eau, ça me dérange pas trop parce que en fait, moi j'ai eu l'habitude parce qu'en fait, ils se lavent pas. Il se lave quand il vient chez moi. Elle est gentille. En fait, j'ai eu l'habitude avec mes parents. Moi, je suis du Nord, en fait. Hein. Et dans, Nord. De Schnorr. Et puis, dans le Nord, on a l'habitude de faire attention à l'eau. Mes parents m'ont toujours... Tout le monde sait qu'au Nord, vous êtes bizarre. Vous ne lavez pas. Toi, tu fais gaffe parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent du Nord. Ah non, fais attention, hein. Fais attention, Thérèse. Fais attention, Thérèse. Bon. Toujours est-il que dans le Nord, mes parents, on a eu cet enseignement où l'eau a gaspillé, non.
Au départ, moi j'ai connu en étant gamin, on prenait le bain tous les trois avec mes frères, avec mon frère et ma sœur, hein, en étant petit. Donc je ne vais pas raconter tous les détails, mais j'ai connu les restrictions d'eau, même si on avait de l'eau, mes parents faisaient toujours attention à l'eau. Et encore maintenant, ma mère coupe le ballon d'eau chaude la nuit. Hein. Donc c'est pour nous, c'est normal. Et moi, quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, on prenait la douche, on allumait l'eau, comme je le fais maintenant dans le camping-car. On se mouillait, on se savonnait et on se rinçait. On coupait l'eau pendant ce temps-là. Alors moi, j'ai gagné parce que moi, en Pologne, j'avais pas d'eau du tout à la maison. On avait l'eau à demi-étage pour tout l'entrée. Et les toilettes étaient tout en bas, au rez-de-chaussée, pour, pareil, pour tous les gens. Alors pour se laver, oui, il fallait qu'on chauffe l'eau. On prenait l'eau froide à demi-étage, on chauffait l'eau dans les grosses casseroles, on mettait dans la baignoire, sur la poêle à chaudron. Ouais. Et puis on se lavait comme ça. Elle allait chercher l'eau au puits avec son seau, mais comme presque. Cosette. Mais c'était pas loin parce que l'eau était à demi-étage. Non, toujours est-il que, bon, ouais, alors toi, par contre, voilà, toi, c'est quand même un problème qui te dérange, l'eau, quand même. Dans le oui, camping-car, parce que, moi, le fait de devoir laver. C'est vrai que quand elle se lave les cheveux, en plus, elle a besoin de 200 litres. Non, donc, c'est pas vrai. La 300. Dernière fois, je lavais chez toi, c'est vrai, j'étais surpris. J'avais contrôlé parce que je suis toujours en train de la fliquer quand elle vient ici pour voir si elle gaspille pas deux ou trois gouttes d'eau. Bon, ça, l'eau, voilà, pour moi, c'est pas un souci. Si j'arrive à remplir mon réservoir, j'ai aucun problème avec ça. Les cassettes, aucun problème. Je dirais que dans le côté technique, le seul problème, les deux gros problèmes, c'est l'électricité. Et le chauffage. Parce que le chauffage, bon, là on l'entend tourner d'ailleurs, le chauffage, je me suis rendu compte, semblant de rien, que ça consomme du courant. Donc c'est vrai que quand il tourne en ce moment, et en ce moment il tourne quasiment tout le temps. Bon, à la base, la journée, ça consomme pas l'électricité, ça consomme du gasoil, mais du courant aussi. Et ça, j'avais pas bien intégré ça. L'Hébert, pas cher, c'est pas cher. À chaque fois, je me plante sur ce mot-là, mais. Les berces pas chères consomment à la fois du courant. Alors, pour vous donner une petite idée, là, par exemple, je vais avoir 12,2 ou 12,3 sur mes batteries. Demain matin, je vais me retrouver à 11,8 ou 11,9. Pourtant, j'ai deux grosses batteries de 92 ampères. Et c'est la seule source de courant, de consommation de courant la nuit, c'est ça. Tout le reste est éteint. Ça veut dire qu'ils consomment quand même pas mal. Et ensuite, le carburant, je vois ce plein-là, j'ai quasiment pas bougé. Enfin, on a quand même bougé un peu. J'ai dû faire, sur la totalité du plein, j'ai dû faire 250 km de route à peu près. Il y a 120 litres, tout le reste, c'est dans le chauffage. Alors bon, c'est quasiment un mois, j'irais. Mois, c'est pas plus cher que le gaz, mais je suis quand même surpris. Et par rapport à la sécurité, est-ce que tu as eu pendant cette année des embrouilles la nuit? Aucun problème. Les moments où tu as pu avoir peur? Jamais, jamais, j'ai eu le moindre souci. De crainte de quoi que ce soit, je ferme toujours tout quand je m'en vais. Bon, j'ai l'alarme, tout est indiqué sur les portes, il y a une alarme. Mais bon, je n'ai pas de déco même de la part de gens qui stationnent éventuellement à côté ou ailleurs. Non. Des commentaires désagréables ou des regards. Pas plus tard qu'il y a deux jours, je me suis garé un peu plus proche de chez Eva. Puis finalement, je suis parti, je me suis garé dans la petite rue où il y a largement la place. Et il y a un type qui est sorti de chez lui, il allait sortir la voiture, il dit « il va quand même pas rester là, lui ». En regardant ma plaque d'immatriculation, j'ai sorti la tête, j'ai dit « vous inquiétez pas, je vais voir une amie, je m'en vais ». Ah non, non, ouais. Après, bon, il s'est senti un peu bête, mais voilà, c'est quand même, quand on voit un engin comme ça arriver dans une petite rue qui se gare dans une petite rue un peu résidentielle, où il n'y a que des petites maisons, là, bon, voilà, ça peut arriver que les gens font un peu la tronche, quoi. Mais bon, ils vont pas me vandaliser pour autant ma maison, hein. Voilà. Voilà, ça, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le seul problème. Alors, si on tient compte de la vie en général en camping-car, et dans mon mode de vie à moi, parce que bon, faut pas oublier que moi j'ai fait faillite, hein, et que du coup, j'ai tous les problèmes qui sont derrière. Tout ça, c'est plus par rapport au service. En fait, c'est vrai que de donner par exemple l'adresse même du courrier des voyageurs par rapport à une banque ou par rapport à un organisme, c'est toujours un peu c'est une boîte postale en fait, hein. Donc il y a le numéro de la boîte postale, le courrier arrive à mon adresse chez le courrier des voyageurs, mais il y a quand même CDV quelque chose, ce qui fait que
Ça, ça peut être quelquefois mal perçu. Ça t'a posé une fois le problème, c'est quand tu voulais prendre, t'inscrire dans une banque ou insister d'avoir une facture d'électricité. Le souci, c'est que quand on est dans ma situation, avec une faillite, forcément, c'est tout des cascades. Hein. Il y a la société qui fait faillite, mais moi, je suis caution personnelle, donc forcément, j'ai des problèmes par rapport à mes banques. Les banques avec lesquelles j'avais des comptes, où je me suis foutu un peu dans le rouge, hein, forcément. Par rapport à la faillite, il y a tout un tas de frais qui arrivent derrière, et bon, c'est incontrôlable. Donc, il a fallu trouver une solution pour pouvoir avoir une carte bancaire. Donc, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. S'il y a des gens qui sont intéressés, indiquez-moi en commentaire, et à ce moment-là, je ferai une vidéo. J'ai testé quasiment tous les systèmes de cartes bancaires prépayées. Hein, les comptes comme Nickel, comme N26, comme, je sais plus, Veritas. J'en ai testé plusieurs, et TransferWiz, et tout ça, je les connais par cœur, en fait. Hein, maintenant, je connais exactement comment ça fonctionne. Moi, donc ça, éventuellement, si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo là-dessus et vous faire un comparatif de tous ces systèmes un petit peu, des systèmes qui nous permettent d'avoir une carte bancaire malgré des difficultés personnelles qu'on peut avoir par rapport à une situation donnée. Hein, vous êtes en chômage, par contre, vous tombez au chômage, par exemple, vous n'avez plus de revenus, bah, la banque, elle va commencer à vous enquiquiner. Si vous commencez à être dans le rouge et que vous commencez à avoir des problèmes avec votre banque, bah, votre banque, à un moment, elle va vous dire, vous me rendez la carte bancaire. Et là, sans carte bancaire aujourd'hui, on se rend compte que c'est un gros souci. Alors bon, j'ai des cartes bancaires, mais j'ai des cartes bancaires qui sont pas, que je n'ai pas dans les organismes bancaires traditionnels. Voilà, ça c'est un souci aussi. Mais ça, je dirais que ce n'est pas propre à tout le monde, c'est propre à ma situation. Voilà. Non, pas qu'à ta situation, parce que si on demande justificatif d'électricité ou justificatif de domicile, tu n'en as pas. Alors, le courrier des voyageurs fournit une attestation. On a une attestation de domiciliation. C'est accepté par les impôts, c'est accepté par quelques organismes, mais là par exemple, allocation familiale, c'est pas accepté. Il faut être domicilié dans un CCAS par exemple. Hein, donc j'ai dû conjointement à mon courrier voyageur, j'ai dû me domicilier à un CCAS pour pouvoir. Il y a certains organismes comme la sécurité sociale par exemple, ils n'acceptent pas les boîtes postales non plus. Hein. Parce que courrier des voyageurs, ils voient que c'est une boîte postale. Malgré que j'ai mon adresse, il faut presque pouvoir combiner les deux. Le gros avantage du courrier des voyageurs, c'est que votre courrier vous suit partout où vous êtes. Et si vous êtes voyageur, bah vous donnez une adresse ou une poste restante et il vous expédie ce que vous voulez à cette adresse. Il vous scanne les documents, vous pouvez les recevoir par mail. Mais il y a des organismes qui n'acceptent pas cette adresse. Voilà, ça c'est un autre souci. Ouais. Mais ce n'est pas un souci qui me préoccupe beaucoup parce que la paperasse, moi je suis un petit peu insouciant, donc on verra ça demain, et ce qui fait que bon, c'est pas trop un problème pour moi. Et par rapport au voyage, pour bouger, pour se déplacer à grande distance, c'est assez compliqué, ça aussi, tu es un peu surpris par rapport au coût. Que tu t'aperçois quand même que... Ben, je m'aperçois que je ne prends plus les autoroutes, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Les autoroutes aujourd'hui, un trajet Genève-Lyon, 58 euros. Il y a 150 km. Hein. 58 euros, 150 km, je vous imaginez, l'aller-retour, c'est quasiment le prix du carburant. Donc, autoroute, je suis obligé d'optimiser. Alors, j'ai découvert quand même des solutions. Je prends l'autoroute à Genève et je sors à Pondin, 18 euros. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a un théâtre ou je sais pas un spectacle qui va être fait. Il y a un spectacle de comment il s'appelle les Chevaliers du Fiel. Leur nouveau spectacle, ça traite du camping-car, donc ça va être rigolo. Hein. Ce qu'ils disent effectivement que camping-car, ça va de situations des gens qui sont très pauvres. C'est toutes les situations. Ça va jusqu'à des gens qui ont vraiment des grands moyens. Et c'est vrai que ça presque qu'on parle. Il y a toutes les classes sociales. Que là, avec tous les avions qui sont de moins en moins chers, des hôtels qui sont bradés hors saison ou hors vacances scolaires, que quelquefois on s'aperçoit que ça coûte moins cher. De voyager en avion qu'en camping-car. Ça devient un luxe. Je devais faire un déplacement, par exemple, en Normandie. J'ai calculé ce que ça m'aurait coûté, parce que c'était un déplacement, en plus, d'un rendez-vous qui va durer même pas une demi-journée. 300 euros de carburant. Parce que si je compte en plus le péage, on arrive à des sommes... Bon, je pense que dans l'esprit, voyager en camping-car, ben, on fait 200 km par-ci, par-là.
Mais si on doit commencer à tracer et faire 800, 900 km ou 700 km d'une seule traite ou même sur deux jours, bah, le coût, du coup, c'est plus avantageux. Est-ce que le coût, est-ce que c'est lié parce que tu as deux SUV parce qu'il est énorme ou est-ce que si on avait un camping-car plus petit? On paierait un petit peu moins cher au niveau de l'autoroute. Par contre, au niveau du carburant, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je fais mes 13 litres hein, environ, mais bon, à la limite, il y en a qui font 9-10 litres en faisant vraiment attention. J'ai pas la sensation qu'il y ait une énorme économie en fonction du volume. Alors, c'est sûr qu'après, il y a les vadrouilleurs qui roulent avec un autobus, eux, ils consomment plus de 20 litres. Donc, ils sont allés, vous les connaissez certainement, ils sont montés au cercle polaire, ou je sais plus, voir le Père Noël. Le budget carburant, c'est énorme, quoi. Et c'est si bien que si on n'optimise pas le trajet, et si on se dit, ben voilà, on va faire ça sur deux mois, et on se fait plus de kilomètres. Que de temps passé à visiter les endroits, ça coûte une fortune. Il faut vraiment le faire dans une philosophie. Bon, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai un point de chute, c'est Eva. Donc, je rentre et le fait de rentrer, ça coûte. Ça coûte parce que si on était tous les deux à partir, on se déplace un petit peu un petit peu de temps en temps. On reste à un endroit qui nous plaît, on se redéplace 2-3 jours plus tard. Et du coup, le budget carburant, il est lissé sur le temps. En tout cas, c'est pour dire que c'est pas très économique pour ceux que c'est pas. Pour circuler, c'est pas économique. C'est pas le voyage le moins cher. Je pense qu'un sac à dos et vivre dans les. Ah, c'est sûr pour les barres, ouais, voilà, mais t'as Airbnb, pas le même confort non plus, Airbnb. Ouais. On peut s'en sortir moins cher que voyager dans un camping-car. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, côté positif. Qu'est-ce qui te plaît plus dans cette aventure? Côté positif, c'est le confort que j'ai là-dedans, dans un espace minime. Mais j'aime bien les petits espaces, en fait. Je réalise que ou j'aime grand espace ou j'aime tout petit. Et là, le truc, c'est qu'il y a peu de tâches, en fait. Il y a peu de choses à faire, mis à part les petits soucis que j'ai eus de pratique, hein. Le chauffage qui a déconné, les petits bricolages. Mais il n'y a pas de ménage, en fait. Il y a très peu de ménage. On a comme une espèce d'insouciance quand on vit dans ce camping-car. On se sent léger, en fait. Ça, c'est par rapport à la vie que j'avais avant. Alors, tout le monde ne serait pas dans cette situation. Mais par rapport à la vie que j'avais avant, j'ai une légèreté dans ma façon d'appréhender le logement qui est inégalée, quoi, que je connais nulle part ailleurs. Voilà, je suis confortable de partout. C'est vrai que quand on se déplace, si on fait abstraction du coût du carburant, etc., quand on arrive à un endroit, c'est vraiment confortable, quoi. On a la douche, on a les toilettes, on a le confort, on est chez nous, on a nos affaires. Et ça, je pense que c'est le plus grand luxe. Moi, ce qui me plaît plus, c'est surtout ça, qu'en avion, partout, on est obligé de se trimballer dans les aéroports, faire les bagages, défaire tout ça. Et là, en fait, on se promène avec tout. Voilà. C'est ça. C'est que quand on décide de voyager, on se met dans un inconfort, en fait. On se met dans une situation où il va forcément nous manquer quelque chose. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Et on peut, en plus, le deuxième avantage, je dirais, c'est que tu peux dormir où tu veux. Tu décides d'aller dormir au bord du lac, tu vas dormir au bord du lac. Tu décides d'aller à la montagne, tu vas dormir à la montagne. Ça, c'est super confortable. En plus, bon, j'ai mon ordinateur, j'ai l'internet, j'ai la télé, j'ai vraiment tout le confort qu'on peut avoir dans une maison. Donc, pour moi, là, c'est vraiment le plus gros avantage, c'est ça. Ouais. Après, là, j'ai une moto dans le garage que je montrerai prochainement. Je sais pas si on pourra la montrer dans cette vidéo parce que ça dépendra un peu des conditions climatiques. Je voudrais la descendre et la monter pour vous montrer un peu comment ça se passe. Mais maintenant, alors, la situation et le temps, il s'y prête pas trop en ce moment, mais quand il va faire beau, ça va être génial, quoi. Je vais pouvoir sortir ma moto et boum, partir, laisser mon camping-car. Là, pour le moment, j'ai la Giro-Roue. et ma voiture. Quand elle me la prête. Mais je ne pourrais pas, mais pour non, faire mais les courses. Non, elle me la quand elle, quand je veux. Là, par exemple, on est allé. Là, on revient des courses, en fait. Ouais. Voilà. C'est bien parce qu'en plus, j'ai un taxi, j'ai un chauffeur. C'est vraiment génial. Parce que d'après la prochaine fois, tu iras faire c'est en vraiment Giro. Super. Giro ou des courses. Non, vraiment, c'est. En bus. Ouais. Tu vas voir. Et mis à part ça. Tu vas piquer le chariot dans les magasins, comme certains, ils font, pique le chariot. Franck. Elle n'est pas gentille. Hein. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je t'emmène faire les courses. Elle n'est pas gentille quand même. Si, hein. Je suis gentille, je l'emmène faire les courses. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des avantages. Je pense que c'est l'avantage principal du camping-car. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
T'as pas de loyer, t'as l'essence, t'as pas de. Ah bah là, le coût, après, le coût, il n'y a pas photo. Hein. Si on fait la comparaison avec une maison, moi, par exemple, je me plains là du prix du carburant et de machin, du chauffage et tout, mais j'étais dans un appartement avant ça, à Nangy, puisque je venais de vendre ma maison et j'avais pris un petit appartement. Le petit appartement, ça me coûtait quasiment en chauffage. J'étais sous toit, hein, presque 100 balles par mois, quoi, d'électricité, hein, tous les mois, hein, 80, 90, 100. C'était énorme, quoi, pour un petit appartement comme ça. Donc, même si j'ai le problème de la consommation et du carburant et de ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le coût d'une habitation. Rien. Alors, voilà. C'est tout. Un peu comme un escargot qui se balade avec sa coquille sur le dos. Voilà. La coquille est lourde, il faut la porter, mais il peut s'abriter quand il veut. C'est ça. Il est chez lui, partout, en sécurité. Donc, bilan après une année, ouais, je suis satisfait de mon choix. Je suis très satisfait de mon choix. Et puis, je suis pas embêté, quoi. C'est vrai que si là, aujourd'hui, même l'aspect, ensuite, il y a l'aspect du stress, en fait, quand on arrête une entreprise comme la mienne. Là, je pense que si aujourd'hui j'étais sur un point fixe, je serais vraiment embêté, quoi. Sans dire que je suis dans une situation désastreuse, mais je pense que je serais vraiment en stress, en fait, en stress par rapport à la situation. Voilà. Alors, ça va ? À moi ? Ouais. Comment ça se passe ? Moi, ça va. Moi, j'ai vu. Ton travail, tout ça, t'es contente ? Pour l'instant, j'ai vu dans un appartement. Ouais. Et j'observe, j'observe les pour, les contre. Ouais. Je suis comme dans un aquarium. Elle regarde, elle dit oh les petits poissons. Oui. Hein? Bah, moi, personnellement, vivre pour toute la vie, vivre pour vivre, je ne me vois pas, mais vivre quelques temps, faire un trip d'un an ou faire des voyages, oui, ça me plairait beaucoup. Moi, en fait, j'ai des difficultés en ce moment, et ça, c'est le gros problème, à me projeter dans un avenir lointain. En fait, hein, c'est vrai que là, je suis en train de digérer ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Hein, c'est quand même assez traumatisant, on va dire. Ouais. Je suis pas traumatisé, mais c'est quand même assez violent. Et du coup, c'est difficile après hein, quelque chose comme ça de dire, dans un an je serai là, dans deux ans je ferai ça. Je réfléchis pas. Je pense que ça c'est pas le souci principal. Voilà, pour le moment. En fait, c'est comme si la vie veut nous apprendre que rien n'est fixe. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis, rien n'est fixe. Et veut nous apprendre à gérer les situations, les changements de plus en plus vite. Les changements arrivent à une vitesse et puis on doit avoir la capacité de s'adapter à ce qui arrive, je pense. Et plus on s'accroche à quelque chose qui est fixe, plus c'est douloureux et plus on a mal à. C'est la digestion qui est difficile en fait hein, d'une situation, mais les grands changements se font toujours dans la douleur, hein, plus ou moins. Je ne veux pas dire que j'ai de la douleur, mais je pense qu'inconsciemment il y a quand même des choses qui sont difficiles à accepter par rapport à ce qu'on a donné dans sa vie et ce qu'on a au moment où on s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà. Donc on apprend, hein. Là j'apprends beaucoup en fait hein, aujourd'hui. J'apprends sur des situations que je connaissais pas avant. Je découvre des choses que je n'imaginais même pas en fait. Dans le bon et dans le mauvais. Hein. Voilà. Et c'est dans la souffrance qu'on évolue et qu'on acquiert la sagesse. Mais de toute façon, quand on décide de changer de situation ou de vie, même si on le décide sciemment, c'est toujours dans l'inconnu et c'est toujours dans il y a toujours quelque chose de douloureux parce qu'on est quelque part dans un confort, dans quelque chose qu'on connaît bien et on va dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc forcément, on a une crainte. C'est quelquefois la crainte qui fait reculer la plupart des gens en fait. La plupart des gens rêvent d'avoir une vie sans soucis, de voyage, mais ils ne font pas. Ils ne font pas parce qu'ils ont la peur en fait. Ils ont la peur au ventre de ce qui va se passer après. La peur de changement, la peur de sortir de zone de confort. À quoi ? Malheureusement, on est fait comme ça et c'est ça que maintenant la vie nous change, les changements qui arrivent. C'est qu'avant, même quand on n'était pas bien dans une situation, on s'accroche, même si on n'est pas bien, mais vu que ça nous rassure cette situation, le changement même vers mieux,
ça peut nous infecter. La preuve, quelquefois, c'est des femmes qui se font battre ou des gens, des personnes qui sont séquestrées par leur bourreau. Mm-hmm. Quelquefois, ils s'attachent. Elles restent chez eux, avec le bourreau, parce que... Il y a un sort de parce que c'est la seule chose qu'elle connaît, c'est son confort. Et puis, et nous, on a tous un peu ce principe. Même quand on n'est pas bien, on persiste parce qu'on est dans une situation <T'es> belle, hein? qui nous rassure. Tu te calmes. Je te vois là, à l'écran, là. Bon, sur ce... C'est, on a tout dit, je pense. Hein. Après, bon, il y a peut-être encore plein de choses à dire, mais ça va durer trop longtemps. On vous souhaite... Voilà, ça veut dire, ferme ta boîte à camembert. Eh bien, alors, parce que moi, j'arrive pas à m'arrêter, en fait. Très belle soirée, très belle journée. Très belle soirée, très belle journée. Et on va pas faire comme la dernière fois, je vais pas vous dire tout le jusqu'à Noël. Et puis, on vous dit à tout bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao.